Yo tout le monde, c'est Marius Ferrero, surtout pour une nouvelle vidéo sur Arma 3. Ça fait très longtemps que j'ai pu jouer, ça fait peut-être plus de 7-8 mois. Sur le serveur TRC1 Westland. Westland c'est quoi? C'est un mode de jeu où il y a trois équipes qui se... Il y a les Blue Force, il y a les Indépendants, les Haute Flore. Les Blue Force, c'est une équipe comme là, je suis en Blue Force. C'est une équipe, un jeu de guerre où les trois équipes s'affrontent. Les Blue Force sont en allié entre eux. On les représente avec un petit nom, là. Touche Windows pour voir les noms. Entrée, déplacer, voilà. Ce jeu, vous pouvez avoir des avions, des équipements, des armes, de tout. V pour appuyer par la rachute. Voilà. Sur le serveur là, on a 1 million d'euros. On commence à ce qu'on veut. Vous avez un peu de tout comme vous pouvez voir. Je crois qu'il y a du je crois. Voilà, un petit serveur super sympathique allemand, pas beaucoup de personnes, il y a 146 places, je vous mettrai une petite photo pour le rejoindre en commentaire aussi. N'hésitez pas à aller voir la petite la description. Voilà. Bon, on va faire une petite vidéo pas très longue. Donc puissiez regarder 5-10 minutes. À voir. On va voir qu'est-ce qu'on prend. Je sais pas si qu'est-ce qu'on prend. Soit on prend un avion, soit on prend un hélicoptère, ou soit on prend un drone. C'est-à-dire que le drone sera caché à un endroit. Ça c'est le petit bug qu'il y a sur ce jeu là. Vous pouvez déclencher le parachute n'importe quand. Comme moi je sais plus quel. Voilà ce qu'on peut faire. Là, on voit tous les véhicules que vous pouvez acheter. Un prix différent quand même, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, là c'est les véhicules Land. Là c'est les véhicules Armored avec blindage. Là c'est les tanks. Là c'est les hélicoptères. Avec vous. Et là c'est les planes. Soit on prend un petit avion. Bizarre comme ça, soit et pour le début, ce que je préfère, on va prendre. Je suis pas sûr que j'ai peu. Ok, venez voir. On va aller à un endroit. Putain, ça lag trop. Comme vous voyez en haut à droite, il y a des missions toutes les 15 minutes normalement. Ça dépend, là c'est un hélicoptère. Faites vous tuer les PNJ, les IA comme vous voulez. Qui sont eux aussi qui peuvent vous tuer. Ah ben ça tombe bien. Avant ce que je faisais. Ils en viennent de péter mes drones.
Ce qu'on va faire. Ouais, excusez-moi pour tous ces lags, mais voilà. On va appuyer sur la touche P. Eh oui, c'est vrai, le serveur reboot éditeur. Comme il est que. Nouveauté. Il y a une nouveauté de. On va prendre un petit drone comme vous ne connaissez. Un bomber. Ici, on va aller détruire la mission parce qu'il nous faut un chien. Voilà. Je sais que c'est pas très bien de ce que je fais, mais je suis un peu obligé. Moins de punitions. Moi, je sais que j'ai gagné des kills, j'en ai eu 10. On attend qu'il décolle le monsieur quand même. Du coup, sinon, je m'en fous. Comme ce truc là, on va passer après une nouvelle. Donc vous voyez, il y a plusieurs missions, il y a plusieurs hommes un peu partout. On va décoller, même si ça fait longtemps que j'ai pas décollé un drone. Pour accélérer, est-ce pour l'envoyer vers le haut? Normalement, il décolle vers les 100 à 200 km/h, ça dépend. Voilà. Non, 5 km/h. J'arrive plus trop le décoller. Je mets un petit point à l'endroit. Le petit merdique. Voilà. Ça fera une petite vidéo pour vous aussi comment faire.
Je sais pas si je crois que j'ai le DLC Apex. Pas Apex. L'autre il joue dur. Je crois que j'ai le DLC. Normalement, si je le prends blanc, même si c'est. Il va falloir le prendre gris, peut-être. Bon, on va se laisser là pour cette petite vidéo, je vois. On va pas décoller ça, là. Ah, je leur ai acheté une. Moi je vous laisse, à la prochaine, plus. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. À plus.